Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Let's hear God's words. Nous sommes aujourd'hui le 27e jour. 27th day. Et le 20, le aujourd'hui c'est le 20e jour. Et demain c'est le 20e jour. The 20th day. Et cette transition, ça dit fini le jeûne. Before finishing this fast, c'est vraiment important. It's really important. Amen. Je vais expliquer comment. Amen. God explain. D'abord, je parle avant de démarrer si les prières. We started with the prayers. Confession. Confessions. Ce que les parents font. Or what the parents did. Et on essaye d'attaquer l'esprit de malédiction. On essaye la malédiction. The spirit of curse. Et on a essayé de prier pour nos sujets. And we try to pray for specific topics like devilish authors. Les hôtels qui devront renverser. That we must fight. Amen. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu nous a exaucé. Believe that God. Prenez Ézéchiel 37. Let's take Ézéchiel 37. Cette nuit est une nuit très importante. This night is a very important night. Parce qu'à partir de 1h du matin. Today from 1 a.m. 1h à 4h. From 1 a.m. till 4 a.m. Nous allons passer un moment de prière. Chacun individuellement va prier. Individually. Et cette nuit-là, c'est pour les proclamations. This night is for. Nous allons faire uniquement que les proclamations. Just to plan things. Nous lisons Ésaïe 37. Ézéchiel, autant pour moi. Ézéchiel 37. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle l'éternel, le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Merci pour la lecture, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, écrit par Ézéchiel le prophète. Ce monsieur, ce prophète, il avait un don de vision. Il avait cette capacité de voir les choses dans le monde spirituel. Il avait ce don. Ici, Dieu conduit l'homme dans la vallée. In the valley. Et dans la vallée se trouvaient les eaux selon les eaux. Les personnes mortes. Quand on parle de vallée, when you talk about valley, c'est qu'il y a montagne. It means we have hills. Est-ce qu'on a bien saisi? It got me. Amen. C'est juste en bas de la montagne qu'on parle de la vallée. Down the valley, we have. Et quand vous regardez, the valley, we have the hill. La chute. When you look at, ce qui a fait que les gens sont morts dans la vallée. Why the people there are in the valley? C'est qu'ils avaient une position au niveau de la montagne. They had a new position. Ils avaient cette position élevée. They held an high position. La montagne signifie la présence de Dieu.
means the presence of God. Souvent on dit je suis sur la montagne. Ça veut dire on est dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on est dans une position très élevée. We are in the higher position. Comment du coup quelqu'un se trouve dans une situation de l'élévation, dans une situation de présence de Dieu, situation of presence of God, et on voit les eaux se monter, et les brins chutent, et les montagnes fall, or the hill, à la vallée, to the valley. Amen. La montagne à la vallée, then from the hill to the valley. Et quand cette chute l'a créé la mort, fall, create death, justement, le corps décomposé, of course, et c'est devenu les eaux se monter, plus grosse. Plus life, no solution. La destinée était plus. Destiny is il n'y a plus de solution. There is no more solution. Comme ça, peut-être toi et moi. Maybe this can be for you or me. Nous avons une position élevée. We have a high position. Étant appelé par le Seigneur. Chosen by the Lord. Dieu nous a appelés. Has chosen us. Et quand Dieu t'appelle. And when God has chosen you. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. It's not you who chose me, but I am the one who chose to establish you. Dieu établit dans la grandeur. Establish Dieu your heart is. Dans la gloire. God is established in the glory. In the world. Du coup, dans cette position là. When you have that position. D'élévation. Of highness. Mais quand nous regardons, il y a une chute. But there is a et fall. C'est ce qui nous tient en train de régler. And this is what we are saying. Because to God can choose the trouble of curse that you have inherited. Peut te faire chuter dans la vallée. Can make you down in the valley. Peut te faire tomber dans la vallée. Push you down the valley. Et c'est ce que les gens ont vécu. And this is how the people live. Ils étaient dans la présence de the Dieu. Mind, the presence of God. Mais encore du fait qu'il avait chuté, the situation, il les a menés à chuter. That they perdre cette position. After et à nous trouver and be dans la vallée. In the valley. Sans vie. Without life. C'est-à-dire la mort. You mean death. La mort a créé ce que ça pouvait créer. And then amen. Created everything. Or, Dieu, dans sa souveraineté, va poser la question à Ézéchiel. Without question to Ézéchiel. Est-ce que ces ossements pourront revivre encore? Could the bones live again? C'était la question. It was the question. Je pense que si Dieu nous pose encore la question, est-ce que nous croyons encore notre destinée? Do we trust our destiny? Je n'entends pas les amens. I don't hear amen. Est-ce que vous croyez encore votre destinée? Do you trust your destiny? Parce que je me pense que vous êtes encore dans le dans la vallée. Thank you are in the valley. On est dans la vallée. We are in the valley. Les ossements sont déchets. The bones. Il n'y a plus de vie. Oh, no on ne croit même pas un instant qu'on peut continuer le chemin. Even think that we can à cause des difficultés. Because of troubles. À cause de la pauvreté. Because of poverty. À cause du fait que nous-mêmes on a foi en Dieu. We don't have, on est plus posé. We cannot discuss. Oui, mais c'est ce que nous venons de régler. This is what we have just nous venons de régler une situation. We just come to solve a situation. Nous avons prié le Seigneur. We prayed the Lord. Dans des semaines. For pour que Dieu nous débarrasse. That we, so that we can nous get rid of. Nous envoyer plus bas. But we have the falls in our lives. La Bible dit que Dieu fera de nous la tête. Amen. Dieu fera de nous la tête. Et la Bible dit là que Dieu dit. Nous serons en haut, les gens en bas, ils sont tous en bas dans la vallée. Ta place n'est pas dans la vallée. Ta place est sur la montagne. La place est sur les la place n'est pas sur la vallée n'est pas toi pour nous. The valley is not there for you. Alors Dieu, so God, peut te faire reprendre cette position sur la montagne. Position il demande est-ce que tu y crois? It's just asking. Est-ce que toi tu crois maintenant? Do you trust him right now? Tu as prié. You have prayed. Tu as parlé au Seigneur. You talked to the Lord. Tu as réglé le problème de malédiction. You solved the situation. Tu as cassé. You tu as brisé. You broke. Tu n'est-ce pas? A détruit les autres. You destroyed. Est-ce que that tu crois? Do you trust? Que tu peux reprendre ta have the position. Your position. Alléluia. Est-ce que tu penses que tu peux reprendre ta position? That you can take your position. Il a dit, Ézéchiel, tu le sais. Tu le sais. Try. Tu le sais. Try. En réalité, ça veut dire. Avec toi, with you, tout est possible. Everything is possible. La vraie version hébraïque. C'est-à-dire, quand tu le dis, as you're saying it. Avec toi, with you, tout est possible. Everything is possible. Je crois ce que tu me dis. I trust what you say. Il dit, Ézéchiel. Et c'est toi, Ézéchiel. Talk. C'est tout. Ce que nous allons faire, this, cette nuit, c'est de parler. It's the talk. Au commencement était la parole. The beginning was the word, et la parole était the avec word Dieu. Was
begun. Et rien n'a été fait sans nothing has been done without the word. Nous allons parler we're going to talk à tout ce qui a été to everything which has been done in our lives. Tu vas parler cette nuit we're going to talk tonight mariage. Tu vas parler wedding cette nuit we're going to talk à tonight dans ton business, à tes affaires. Tu vas parler cette nuit we're going to talk tonight travail. Tu vas parler cette nuit we're going to talk et c'est important. C'est important puisque it's important. Dieu veut que tu prophétises et tu parles de la parole. Il faut que tu parles de la parole. Il faut que tu aies juste des affaires et plein de vie. Your business parce que Dieu veut que tu aies une nouvelle position. N'aimez pas la position d'être toujours en bas. Like the position. This is not coming from God. Quand tu vas commencer à te bénir, but God is will bless you. Il fera de toi le meilleur. He will make you the best. Il fera de toi le meilleur. The best. Amen. Amen. Dieu te prend pour t'élever. God is taking you to give you a new position. Situation qui crée une situation and une élévation dedans. À l'image de Joseph. Il a eu le rêve. Le rêve qui s'est retrouvé dans le dream. Plus par rapport in the world. Contraire à son rêve. Yeah, this was contrary to his dream. Et ce taux élevé, and then they discovered tout dans un puits. That he thinks dans le puits, il se retrouve chez le Potiphar. And then Potiphar, il y a une difficulté. There is il se retrouve dans la prison. He was l'humiliation la plus totale. The jail, la prison. The most painful humiliation. Mais c'est de la prison. That from jail, il a été élevé. That he has been Dieu. Elevated. Mais tu vois aujourd'hui au sommet. To see you. Amen. Amen. Dieu te veut. Au sommet. Cette nuit, tonight, c'est une transition. It is a transition. Le minuit, de 1h du matin à 4h, on va commencer à parler à ce mariage. On va commencer à parler. Dis-moi, Joël Crasso-Toro, je rentre dans mon mariage. I enter in my life. Je rentre dans ma prospérité. I enter in my prospérité. Je rentre dans la gloire. I enter in my je reprends ma position. I take back my position. Je suis le meilleur. To be the best. Il faut commencer à parler. You start to durant toute une nuit. During the one year. From 1 a.m. to 4 a.m. Voici comment clôturer ce moment de jeûne. To parce que Dieu dit this fasting. C'est pour ça qu'il dit. C'est qui j'avais dû dessécher. What has been planned? La mort qui t'a atteint. That you should have business. Tes affaires, ton voyage, ton foyer, your house. Dieu dit maintenant, God is saying c'est right now, question de demander. It's not c'est pas question de prophétiser. Et il s'est pris, il commence à parler. Même si tu commences à parler, tu verras le message. Let's all see the devil. Let's all see the devil. We all see them. Tu vas commencer à mettre la main sur you start tu vas commencer à mettre la main. Tu vas commencer à parler. You start talking. Nous allons commencer à parler. We start talking. Tu vas commencer à parler. We start talking. Parle à ton mariage. Parle à ta situation. Take to your parle to your situation. Parle to your body. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Say something. 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 Oh alléluia. Alléluia. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Say something. Dis quelque chose. Say something. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. The power of God. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Tout ce qui a été desséché dans ta vie. Everything that has been planned in your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Mon mariage. Your wedding. Tes affaires. Your business. Et pour mon vie. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Commence à parler. Au nom de Jésus. Je vais prier. Je qui a promis la mort. Dans ta vie. Je vais prier. Ce qui a provoqué l'échec dans la vie, je t'ai le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois, amen. Reçois, amen. 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 Je suis
ton miracle. Récite le miracle. Régénère le miracle. Réchois ton miracle. Récite le miracle. Régénère le miracle. Récite le miracle. Récite le miracle. Réchois ton miracle. Régénère le miracle. Réchois le miracle. Récite le chemin. Oh là 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 là. Reçois ton miracle. Jésus est mort. This is done. Ressuscité il est. And les raisons seront vives. Le pouvoir de la sorcellerie. Cède la place à le Seigneur de Jésus. La puissance de Dieu. Les chétans. Au nom de Jésus.
Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace of God. Reçois la grâce de Dieu. Receive the grace. 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 Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Ce matin, la puissance de Dieu. The power. Le touche. Ce matin, recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Reçois la grâce de Dieu. Receive the grace. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Hey. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Dans le nom de Jésus. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. In Jesus name. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. La puissance de Dieu. The power de Dieu ce matin. Is the la puissance de Dieu. The power de Dieu ce matin. Is the la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. The power de Dieu ce matin. La puissance de Dieu. 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 Recevez, 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 recevez la grâce de Dieu. Une onction particulière. Special and special ce matin. Special and special la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. La encore là recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce 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 de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. 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 Le miracle te touche ce matin. Le miracle te touche. Recevez le miracle. Recevez le miracle ce matin. Recevez le miracle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance ce matin. Le visite. Une action particulière de visite ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu vous visite ce matin. Reçois la puissance de Dieu. 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 Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. 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 Recevez. La puissance de Dieu. 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 Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Levez la main. Je suis
recevez la gloire de Dieu. 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 Dieu répand son esprit sur vous ce matin. Revealing his spirit on you. La puissance de Dieu. Je sens que le Saint-Esprit a donné des bénédictions ce matin. Je sens que la puissance de Dieu a donné des bénédictions ce matin. Reçois cette visite. Reçois. Dieu restaure ta vie. God restores. Dieu brise l'esprit du célibat. Célibat, esprit. La pauvreté. Poverty. Le non-aboutissement. Non-accomplissement. Oh, la gloire de Dieu. Oh, the glass. Je sens la main de Dieu. Dieu te bénit ce matin. Blessing you. Dieu te bénit ce matin. God bless you. Dieu te bénit ce matin. God bless you. Dieu te bénit ce matin. God bless you. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Clap the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer